Good morgen, Aleiden. Les tutra aujourd'hui, les Lunishmat, Peggy Batester, Lisa Lisa Batfrechaz, Rabat Mazaltov, Shishportish. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Sanhedrin, Perikhei, Mishnah Dalet. Vachakaf, Machnisen et Hacheni, Obodkin Oto. Im Nimtseu Divrem Mechouanin, Potrin Bizhout. Amar Echad Mina Edim, Yeshli Lamed Alav Zhout. O Echad Mina Talmidim, Yeshli Lamed Alav Chova, Meshatkin Oto. אמר אחד מן התלמידים, יש לי ללמד עליו זכות, מעלין אותו ומשיבין אותו ביניהם, ולא היה יורד משם כל היום כולו. אם יש ממש בדבריו, שומין לו. ואפילו הוא אומר, יש לי ללמד על עצמי זכות, שומין לו, ובלבד שיש ממש בדבריו. דביל המשנה, הוא רפחון לפרוסדור דו ג'וג'מן, אחרי עבור רוסו לתמוניאז' דו פרמייר, עבור אקספליסיטי לקסטיון קרון לפוזה, Alors maintenant, la Mishnah nous dit, Vachakach Machnisen et Hacheni, après on fait rentrer le deuxième témoin, au Bodkinoto, et on lui pose de nouveau les questions pour voir si elle avait une contradiction. On a déjà évoqué le fait qu'on avait déjà interrogé le deuxième témoin, mais la Mishnah, pour refaire un petit peu d'ordre, alors elle revient un petit peu en arrière, elle nous dit donc, après avoir fait rentrer le deuxième témoin, et l'avoir interrogé, ensuite, Imnim Tseoudivrem Mechouvanim Potrin Bizrout. On analyse d'abord, on commence à analyser les propos de chaque témoin, le témoignage qu'il a porté, c'est pas de contradiction. Et s'il s'avère que c'est mechouvan, c'est-à-dire que c'est cohérent, alors potrin bizrout, on commence à ouvrir le procès, le débat entre les juges, bizrout, avec une approche où on va plutôt chercher à plaider, en réalité, là, comme on explique, on va commencer d'abord à dire à l'accusé, sache qu'une chose de sûre, si tu n'as pas fauté, tu ne seras pas condamné à mort. Ouais. Histoire de marquer à la fois de marquer la tendance, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, on aura l'occasion d'en reparler encore dans la prochaine Mishnayot, qu'on cherche à tout prix à ne pas à trouver des circonstances atténuantes pour ne pas condamner à mort. Ensuite, Amar echad min ha'edim, yesh li lamed alav zechut, ou echad min ha'talmidim, yesh li lamed alav chova, meshat kinoto. Durant le débat, si un des témoins, Amar Echad Minaidim, un des témoins a dit, Yeshli l'elamed alav zechut, j'ai de quoi plaider, argumenter pour disculper l'accusé, ou encore, Echad Minat Talmidim, Yeshli l'elamed alav chova, un des élèves, souvenez-vous, on avait dit qu'il y avait 23 juges, et puis 3 rangées de 23 élèves. Là-bas, il y avait un des Talmidim, un des élèves, qui a dit, Yeshli l'elamed alav chova, j'ai une preuve qui va convaincre tous les juges que c'est certain qu'il faut absolument le condamner à mort. Donc, Yeshli l'elamed alav chova, j'ai argumenté pour le condamner, pour l'inculper. Mais Meshatkin oto, on le fait taire. Soit, c'est deux halakhot complètement différentes en fait. Il y a tout d'abord les témoins. Le témoin, une fois qu'il a porté son témoignage, qu'il a témoigné que Reuven est un assassin, il a tué, il va falloir témoigner contre lui, dire qu'il fallait le condamner à mort. Au milieu du débat, le témoin vient et commence à expliquer qu'il pense avoir une circonstance atténuante pour disculper l'accusé. Alors, on le fait taire. Pour quelle raison? C'est très simple. Parce que il est Noga Badavar, il a un intérêt dans ce jugement. C'est-à-dire, on avait déjà appris la règle de Kevan Sheigid, Shuvene Chozer Omagid. Un témoin qui a témoigné ne peut plus revenir en arrière. Alors maintenant, vous imaginez bien. Imaginez un témoin qui a témoigné à tort, qui prétend, en tout cas, qui a un problème de conscience, et que finalement il est en train de réaliser qu'il risque de se faire, qu'il va peut-être y avoir des témoins qui vont venir le contrer, qui vont venir le rendre aides au même. Ils vont venir le dire, comment tu peux témoigner, t'étais avec nous à tel jour, et la sera qu'on condamnera lui à mort. Et donc il a envie de revenir sur ses propos. Comment il va faire pour revenir sur ses propos? Il ne peut pas revenir sur ses propos, il ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a dit. On a déjà expliqué, Kevan Chigit, tu veux une guide, une fois qu'il a déposé son témoignage, il ne peut pas revenir en arrière. Donc la solution qu'il a peut-être, la seule solution qui lui reste, c'est de tout faire pour convaincre que l'accusé, en fait, n'est pas condamné à mort. Comme ça, le petit ne va pas prononcer de sentence, et lui, il sera plus condamné à mort. De ce fait, on va dire au témoin, toi, tu es Noga Badabar, tu es concerné, tu as un intérêt à défendre quand tu vas vouloir le disculper, tu n'as plus le droit de plaider. Idem, c'est une autre raison. Les élèves, alors là, pour les élèves, on a déjà vu qu'un élève qui veut, un disciple, qui veut argumenter pour inculper, alors Meshat Kinoto, on le fait taire lui aussi, à la différence de, on va faire les deux en même temps, Amal Chad Minatel Medim Yeshli Lelamed Alam Zhout, Ma'alin Oto, Omoshi Minoto Benem,
Par contre, si un des élèves a dit que Yeshili l'amed à la bzrout, j'ai de quoi plaider, argumenter pour convaincre tous les juges qu'il n'est pas condamné à mort, comme on avait évoqué le cas de Ben Zakkai, de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, qui avait trouvé un système pour poser des questions sur le figuier. Alors, dans ce cas-là, Ma'alin Oto, on le prend, on ne va pas le laisser assis chez les disciples, on va le prendre, on va lui mettre une chaise avec les juges, avec les 23 juges, et il va entrer dans le débat avec tout le monde, il va s'asseoir avec les 24 juges, avec les 23 juges, ce sera lui le 24e en fait, et Ma'alin Oto, donc on le fait monter. Pourquoi on le fait monter? Où on fait monter? On avait appris que les élèves sont assis par terre et les juges sont assis sur des bancs. Donc on le fait monter sur les bancs. On moshivi notre benem et on l'installe entre eux. Et on le faisait plus descendre toute la journée. Comme ce qu'on va le préciser dans quelques secondes. Tout d'abord, juste précision. Pourquoi, en théorie, on n'est pas fermé à toute option pour écouter, on peut écouter les propos de n'importe qui pourrait venir et plaider. On a un intérêt, nous, à défendre et même à le condamner en réalité. On n'est pas buté. C'est-à-dire, si toutefois il y a quelqu'un qui est capable de nous dire qu'il est capable de nous convaincre, qu'il est coupable ou qu'il est, au contraire, qu'il est innocent, on n'a aucun problème à l'écouter. Le seul problème, c'est que la Torah, elle a dit, Veitzilu Aeda, la tendance, elle est toujours de défendre la cause de l'accusé, autant que possible ne pas prononcer la condamnation à mort. De ce fait, s'il a envie d'argumenter pour condamner, on va le faire taire, on va lui dire c'est bon, laisse, ne sois pas, comme disait mon prof, mon rave à l'école, ne sois pas l'avocat du diable, ne sois pas l'avocat du diable, laisse, nous on est 23, si toutefois on a envie de le condamner, alors on va le condamner, et si toutefois on a Hachem, il nous a fermé les yeux, alors laisse-nous avec nos yeux fermés. Ça c'est pour écouter des arguments qui vont le condamner. A l'inverse, lorsqu'on va vouloir plaider, supposons que par exemple les juges ont une tendance à vouloir le condamner à mort, et qu'il y a un élève qui va dire « Attendez, je vais pouvoir vous convaincre », alors là on va lui dire « Enematov, viens, je t'en prie, au contraire, pas contre nous », et donc on va lui mettre une chaise avec les Dayanim, en plein milieu, avec les qui va s'asseoir donc au rang des Dayanim. Ensuite la Mishnah nous enseigne « Veloya yored Misham kolayom kulo », on écoute ses propos. Et d'abord, c'est le simple fait qu'il soit monté s'asseoir avec le juge, on le laissait là-bas. Et après qu'est-ce qui se passe ?« Im yesh mamash bidvarav shomin lo », si il a un argument, si cet élève, ce disciple, a « Yesh mamash bidvarav », il y a quelque chose de concret, il y a ici un argument à prêter attention. Alors bien sûr, Shomino, les juges évalueront est-ce que c'est un bon argument et pourront se fonder sur ces paroles. Shomino. Précision qui va dans le Barthénora, et mieux expliqué par le Tosfot Yom Tov, c'est qu'une fois qu'on l'installe parmi les juges, donc tout d'abord, s'il a finalement son propos a été réfuté, on va quand même le laisser toute la journée s'asseoir avec les juges afin de ne pas lui faire honte, vous imaginez bien, sans compter qu'à part ça, pour une autre fois, imaginez que la prochaine fois les disciples vont avoir peur de parler. Alors, vont avoir peur de parler et donc ne vont plus vouloir plaider. C'est dommage. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, tu as voulu plaider, viens, tu t'assois avec nous et tu restes ici toute la journée. Peu importe ce que tu as dit, est-ce que c'était fondé ou pas fondé. À part ça, si toutefois il s'est avéré que le propos qu'il a dit, l'argument qu'il a argumenté, a été attesté, cautionné par les autres juges, et grâce à lui, on a tranché la halakha, alors ce disciple aura le droit de rester toujours assis avec les juges. Il ne deviendra pas lui-même un juge, parce qu'on a besoin d'avoir un nombre impair, 23 juges uniquement, mais malgré tout, on lui installera une chaise et il sera assis, il aura un rang supérieur aux autres disciples qui sont assis dans les rangées. Ensuite, « Im yajim amajib rav shomino » Vafilou Omer Yesh Lil Lamed à la Tzmizrut. Maintenant, la Mishnah enseigne, même si l'accusé veut lui-même plaider pour lui-même, pendant que les juges débattent, il veut faire entrer une nouvelle, il veut intervenir et dire, écoutez, j'ai quelque chose quand même qui va me disculper, j'ai une preuve d'une Mishnah, d'une Gemara, qui va prouver que la manière dont je l'ai tué, certes, c'est peut-être moi qui l'ai tué, mais en tout cas, je manquais dans un détail pour pouvoir être condamnable, alors Shomino, on l'écoutera, même l'accusé lui-même, on pourra prêter oreille à ses paroles. Mais malgré tout, Bilvat, Shesh Mamash Bidvarav, bien évidemment, à condition qu'il y ait effectivement un propos fondé. On aura l'occasion d'en reparler encore dans la prochaine Mishnah, si je me trompe pas, ou dans deux prochaines Mishnayot. On apprendra que l'accusé peut même revenir, pendant qu'il est en route pour la condamnation à mort, il pourra même revenir et dire qu'il voudrait plaider. On a fini la Mishnah, on fait à présent le Barthénora. Nim Soudi Vrem Mechovanim. Il s'avérait que leurs paroles sont cohérentes, ou Meatat, Srichin Nessa, Veliten, Vadavar, et à partir de maintenant, on va commencer à débattre. Potrin Bizrout, on ouvre
en zhout, avec une tendance à vouloir montrer qu'on cherche à disculper, en lui disant quoi ? Imlo avanta al tira. Sache que si tu n'as pas à transgresser, tu n'as rien à craindre, tu ne seras pas condamné à mort. Amal khan yunaidim yeshil la med ala zhout. Si un des témoins a dit qu'il a de quoi plaider, disculper. Donc un témoin avait dit, afil zhout, même si c'est pour disculper, vechol sheken chova, il y a plus forte raison pour condamner. Meshat kinoto, on le fera taire. Dirtiv, il y a un problème comment quel pasuk rapporter, mais en tout cas, ve'ed echad lo yane, comme le pasuk nous dit, et un témoin ne répondra pas, n'interviendra pas en fait. Ben nizchut, ben nichova, que ce soit pour disculper ou pour condamner. Amar echad min talmidim, si l'un des disciples a dit, c'est qui cet talmidim, ayoshvim lifnei adayanim, ceux qui sont assis devant les juges, yeshli lemed alav chova, j'ai de quoi le condamner, l'inculper. Meshat kinoto, on le fait taire. Pourquoi? Dirtiv. Alors de nouveau, on a un problème avec le même pasouk. Ve'echad lo yane benefesh lamut. Un ne répondra pas pour condamner. C'est le même principe de Vitzilu Aleda. Ça revient. C'est le même. C'est pas le même pasouk, mais en tout cas, c'est la même idée. Lamut hudenone. Le pasouk. Il y a une insistance dans le pasouk qui laisse entendre deux choses. Qui laisse entendre que le témoin, jamais, il n'intervient jamais. Et les autres, un étranger, pourra intervenir, mais à condition que ce ne soit pas à la mout, pour condamner à mort. Donc, il pourra intervenir pour plaider. Halizhut, on est, donc, pour disculper, il pourra intervenir. Eno yoren misham kolayom, donc, à partir du moment où il a dit, l'un des disciples, est monté pour parler, on ne le fera plus descendre toute la journée de son rang. La filoshen mamash bidivarav, même si il a avancé un propos qui finalement s'est avéré erroné, c'était pas exact. Il a comparé cette halakha à une autre halakha. Malgré tout, on ne fera pas descendre. Avalim yesh mamash bidvarav, mais s'il y a quelque chose de concret à l'intérieur de ces propos, en oyored misham leolam, on ne le fera plus jamais descendre de ces 23 juges. Il aura là-bas, comme ce que le Tosafot dit, et l'on lui laissera une chaise, et il sera assis avec les juges sans devenir pour un juge, parce qu'il faut uniquement 23 juges. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, comme tout cela.